Marie-Sophie Lacaro, qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut en tant que présentatrice du journal de 13h sur TF1, fête ses 48 ans. Mais la connaissez-vous vraiment bien? Voici toutes les informations à son sujet. Marie-Sophie Lacaro, célèbre journaliste et présentatrice du JT de TF1, est née dans l'Aveyron en 1975. Issue d'une famille modeste, elle a grandi à Perpignan en garde alternée après le divorce de ses parents. Très tôt, elle développe une passion pour le journalisme et l'écriture. C'est ainsi qu'elle intègre une classe d'Hippocagne à Toulouse et obtient une licence de lettres. Marie-Sophie Lacaro débute sa carrière en tant que stagiaire au sein des rédactions des journaux Le Midi Libre et Le Villefranchois. Elle se fait rapidement remarquer pour son talent et sa détermination, ce qui lui permet de passer de la presse écrite à la télévision. Elle travaille notamment pour LCI et M6 avant d'être recrutée par France 3 Kersirouer. Elle devient ainsi reportée pour France 3 Midi Pyrénées et présente son premier journal télévisé à l'âge de 27 ans. Au fil des années, elle s'impose comme une journaliste talentueuse et polyvalente en alternant la présentation des JT du 12-13e et du 19-20e. En 2014, Marie-Sophie Lacaro est choisie comme présentatrice remplaçante aux JT de 13h et 20h sur France 2. Elle se voit également confier la présentation du magazine économique In Situ sur France 3. En 2016, elle succède à Élise Lucet et devient la nouvelle présentatrice du JT de 13h sur France 2. Parallèlement, elle anime le magazine Grand Portrait et participe à des émissions événementielles. Son talent et sa popularité lui permettent de diversifier ses activités et de se lancer dans le divertissement avec l'émission Prodige, consacrée à la découverte de jeunes talents de la musique classique. En plus de sa carrière journalistique, Marie-Sophie Lacaro s'investit également dans des causes qui lui tiennent à cœur. Elle est notamment marraine et ambassadrice de l'association Prendre un enfant par la main, parrainant une petite fille sénégalaise prénommée Awa. Elle s'engage à accompagner cette petite fille tout au long de sa vie, une responsabilité qu'elle prend très à cœur. Marie-Sophie Lacaro est une femme épanouie, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Elle est mariée à Pierre Bascou, fondateur et directeur de la société Nolita Prod, avec qui elle a deux enfants, Malo et Tim. Malgré sa célébrité grandissante, elle reste attachée à sa région natale et à la campagne toulousaine où elle réside. Elle apprécie le calme et la tranquillité de cette vie loin des projecteurs, qui lui permet de se ressourcer et de profiter de sa famille. Marie-Sophie Lacaro est non seulement une journaliste talentueuse, mais aussi une femme élégante et rapide. Elle est habillée par la styliste Stéphanie Bell, qui met en valeur sa silhouette svelte et dynamique. Elle affectionne les couleurs vives et les tenues pétillantes. Son look beauté, quant à lui, est naturel et minimaliste, mettant en valeur sa beauté naturelle et ses boucles enfantines. Avec son arrivée à la présentation du JT de 13h sur TF1, Marie-Sophie Lacaro a su conquérir le public et s'imposer comme l'une des journalistes françaises les plus talentueuses et les mieux rémunérées. Son professionnalisme et sa détermination lui ont permis de surmonter les obstacles et de faire face aux défis techniques avec sang-froid. Elle est désormais une figure incontournable du paysage médiatique français. Marie-Sophie Lacaro est bien plus qu'une simple journaliste. Elle incarne la passion, l'engagement et le talent. Sa carrière remarquable et son implication dans des causes humanitaires témoignent de son éthique professionnelle et de sa volonté de faire une différence.
Avec son charme naturel et sa personnalité pétillante, elle a su conquérir le cœur des téléspectateurs et s'imposer comme l'un des visages les plus appréciés de la télévision française.